Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LynnCDP. Alors, on se retrouve pour un second unboxing Auraloa. J'ai acheté cette toile parce que c'est une version 1 et les versions 1 étaient en promo sur le site d'Auraloa. Et donc, j'en ai profité. Je me suis pris plusieurs toiles. Je vais faire une toile par une toile. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Alors, cette toile-ci, ça faisait un petit bout de temps qu'elle était dans mon panier. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de vous la montrer. Alors, regardez dans quel sens je l'avais ouverte. Parce que oui, je l'avais ouverte. Qu'elle était dans un carton. Elle était dans un carton avec la boîte à l'intérieur. Elle était emballée dans du plastique. Et donc, à l'intérieur, je les ai déjà ouvertes, hein, je vous avoue. Voici la toile. J'ai fait ma curieuse. Donc, elle est de nouveau emballée dans du plastique. C'est toujours très doux, hein. Franchement, j'aime beaucoup cette sensation qu'on a sur la toile. Donc, elle se situe comme ceci. Donc, c'est la fée des forêts. C'est une très 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 jolie toile. Le papier est très épais au-dessus. Elle fait 70 cm sur 77. Elle est vraiment très très jolie. C'est une toile de Laure Philippon. Et donc j'ai 51 couleurs. Et j'ai 4 AB. Alors, au niveau des symboles, je vous montre. C'est quand même super net. Franchement, c'est top. Elle colle. Très bien. Et donc, celle-ci, c'était la toile express. J'ai pas mis 10 minutes à me décider. Parce que il en restait une et seulement en diamant rond. Donc, je vous avais dit, j'ai une toile qui était déjà en diamant carré version 1. C'est Just a Kiss de Laure Philippon. Et j'avais acheté à ma maman de cœur, m'a acheté Take Care de Laure Philippon également. Et là, c'était une version 2 pendant Black Friday pour mon cadeau de Noël. Alors, on a ce petit gros. Allez, voilà. Hein? Vous savez bien, petit gros. Bien version intéressant. Dans le toolkit, on a un stylet transparent pailleté avec un embout, je dirais de 3. On a une pince noire qui a l'air super top. On a la petite mousse mauve pour mettre sur le stylet.
que ça ait une meilleure prise. Mais bon, moi, j'utilise pas ces stylets-là, donc voilà. On a la petite boîte avec mes trois cires bleues. Et on a si j'y arrive. Ma coupelle blanche de style Home Fun, qui est très bien parce que les rayures ne vont pas jusqu'au bout et donc ça ne bloque pas. Et on a un multiplaceur pour changer l'embout. Donc ça c'est le toolkit d'Oraloa qui est très bien. Et malgré que ce sont des ronds, j'ai quand même la pince, donc c'est très très sympa. Le petit gros qui est couché à côté. Alors, on a également une feuille en français et en anglais qui nous explique comment faire du diamond painting. On a la feuille de route. Donc on a le nom de l'entreprise, le titre, on a la taille, la référence de la toile. Des très beaux encadrements de dessin. Et donc on a le numéro de la couleur, le symbole et la DMC. Et donc on a bien 4 AB. Ce sont des petites étiquettes qui sont autocollantes et donc que vous pouvez utiliser pour remettre sur vos rangements. Alors, voici la gamme de couleurs que nous avons. Je vais juste, c'est très bien rangé. Je vais juste vous montrer les AB. On a du noir AB. Sur les sachets, vous retrouvez. Pas terrible. Vous retrouvez le numéro de la couleur, la DMC, ainsi que la référence de la toile. Donc on a du noir AB. On a 907 AB, c'est un vert clair. On a du 3818 AB, un vert foncé. Et on a du 5200 AB. Je vais étranger les diamants. Alors, nous avons donc le 310 AB, c'est dans ses yeux. On a du 907 AB, alors j'en ai un peu ici, un peu ici. J'en ai un petit peu ici. Ensuite, on a du 3818 AB. Donc on en a ici bien les parties des fleurs.
Là au-dessus. Dans tout ce qui est ombre des feuilles. Et on a du 5200 AB. C'est tout ici. Là au-dessus. Une petite tache blanche là. Donc ça va être très très sympa. Alors, cette toile, donc elle fait donc 70 sur 77. Elle est en version 1. Je l'ai payée, elle était au prix de 28,95 €. J'ai utilisé le code promo de Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc elle m'est revenue à 24,61 €. Je l'ai commandée le 15 décembre. Sachant que je suis en Belgique, donc ça met toujours un peu plus de temps que chez les Français. Et je l'ai reçue. Le 20 décembre. Donc elle a mis 5 jours, sachant qu'il y avait le samedi et le dimanche dedans. Donc allez, disons 3 jours pour arriver. Donc c'est quand même super rapide. Mais elle est vraiment très très belle. C'est des couleurs qui me correspondent bien, dans les verts bleus comme ça. C'est vraiment des couleurs qui me tiennent à cœur. Et donc je suis très très contente et impatiente de la faire. Voilà. Sur ce, moi je vais vous tourner encore deux unboxings hors Aloha d'affilée avec deux autres toiles puisque je me suis vraiment fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!